Bonjour. Je suis Annette Wattillon-Navou, pédapsychiatre et psychanalyste, membre honoraire de la Société belge de psychanalyse. Dans ce livre, je désire témoigner de mon travail avec des parents et leurs bébés présentant des troubles fonctionnels. Je ne parle donc pas de psychose ou d'autisme. Ma technique dans cette thérapie est issue à la fois de mon expérience analytique avec des adultes et des enfants, et de ma longue pratique de formation par la méthode d'observation du bébé selon Esterbeek, que j'ai d'ailleurs introduite en Belgique. Les troubles pour lesquels les parents me consultent avec leur enfant sont liés au sommeil, à l'alimentation, à l'éducation de la propreté, à la nervosité, les colères, l'opposition, etc. et sont le résultat d'un malaise dans l'interaction parent-bébé. Le but de cette thérapie est de comprendre d'où viennent les difficultés, qu'elles soient liées à une transmission transgénérationnelle ou à un traumatisme concernant la famille. Pour mieux comprendre les mécanismes qui sont sous-jacents, je décris les connaissances actuelles concernant le développement du fœtus, de l'enfant et de la fillette jusqu'à la maternité. Je décris également la formation à l'observation du bébé selon Bic et les entretiens que j'ai eus avec les parents observés après la fin de l'observation. Mes propos sont illustrés par de nombreuses vignettes cliniques issues de ma pratique, désirant éclairer l'intervention fréquente du bébé dans ses traitements. En effet, lorsque le discours parental touche un point sensible, dont l'importance est ignorée par les parents et le thérapeute, il n'est pas rare de voir l'enfant faire une mise en scène, un acting, qui va permettre de comprendre ce qui a été traumatique pour lui. Cela reste pour moi un moment d'émerveillement quand les bébés peuvent exprimer leurs sentiments et ce qu'ils ressentent. Le résultat de ces consultations est souvent rapide et spectaculaire si l'enfant est âgé de moins de 5 ans. Ce livre s'adresse principalement aux thérapeutes d'enfants, mais peut intéresser tous ceux concernés par l'enfant jeune.